Salut l'équipe, c'est Calvin. Je sais pas, mais ça ne nous a jamais traversé l'esprit d'essayer d'avoir une demande d'information sur votre artiste préféré. Du genre, son nom à l'état civil, sa date de naissance, le son qu'il a révélé, le nom de sa go, bref, le maximum d'informations sur lui. Alors on a lancé une série d'épisodes. Dans chaque épisode, on prend un artiste et on vous dit tout ce qu'il a à savoir sur lui. Donc, vous l'avez deviné, nous allons parler de Lil J Benjirap, aussi appelé... Mais avant de continuer, tu connais la chanson, hein, voilà. Si tu aimes ce genre de vidéos, abonne-toi, mets un petit pouce bleu. Si c'est fait, t'es pas d'abord. On met dans l'oreille, on met dans l'oreille, on met dans l'oreille, on met dans l'oreille. Hip-hop yo yo, hip-hop yo yo, hip-hop yo yo. Lil J Benjirap s'appelle en réalité Conan Angelo Wilfried. Oui, oui, tu as bien entendu, il s'appelle... Et il est né à Didierville, au sein de la Côte d'Ivoire. Au début, il ne voulait pas faire de la musique. Comme la plupart des jeunes, il voulait devenir footballeur. Mais une fois, il est rentré au studio, il a voulu s'essayer à la musique. Quand les gens rappaient, moi, je les regardais seulement. Après, je me suis essayé. Non, on est parti en studio directement. Ok. Tu vois, on arrive en studio. Mais la première fois que c'est rentré en studio, qu'elle finit de chanter, l'arranger m'a récompensé. Tu vois rien. Tu vois rien, même. Ouais, tu vois rien. Ton grand frère, toi, ton grand frère, il chante, il est faux. Toi, c'est ça que tu fais. Tu vois rien, faux. Ah, il dit, hein, moi, je vois rien, quoi. Il y a faux. Après ça, il a laissé tomber la musique au bout d'un moment. Et après, il est retourné au studio une nouvelle fois. Mais cette fois-ci, avec un masque. Parce qu'il jouait toujours au foot. Il ne voulait pas que ses coéquipiers le remarquent. Mais ça ne s'est pas passé comme il voulait. Mes coéquipiers, de mes coachs et tout, en fait, je ne voulais pas qu'on me reconnaisse. Oui. Mais c'est mal de connaître. Hein. Malgré le masque, là, on dit lui. Là. Ses doigts. Parce qu'il était très mince. C'était, on me reconnaissait pour ma morphologie, en fait. On dit lui, là. C'est notre ami, on le reconnaît bien. Concernant ses projets musicaux, il faut noter que Lil J a longtemps qu'il chante. Son premier morceau qu'on a pu retrouver, c'est Great Boys, qui est sorti en 2015. Fuck your mama, I'm the great boy. Fuck your mama, I'm the great boy. Quand tu écoutes ce morceau et tu comprends ce qu'il fait maintenant, tu te rends compte qu'il a beaucoup évolué, ouais, il a beaucoup travaillé. Après Good Boys, il a sorti plusieurs projets solo, jusqu'à connaître son premier grand succès sur un feat avec 8 Guns, sorti en 2016. Hey. Je demande de me masquer mon ego pour mieux les fumer. Ouais. Quelques kilos à l'arrière du gamos, les flics seront semés. Ouais. Sans trop forcer le talent, t'as vu FDP qu'on est au sommet. Sur ce morceau et sur la majorité de ce morceau, on voit qu'il était beaucoup influencé par son grand frère LG et donc par Kiff No Beat. Après ça, il y a une certaine Fanny qui a arrangé ce morceau à l'époque et lui a demandé d'essayer d'allier chanson et rap pour se démarquer dans le game. Parce qu'à cette époque, il y avait peu de rappeurs qui savaient chanter et également peu de chanteurs qui savaient rapper. C'est ce qu'il va faire sur Isabelle. Tous les hommes tombaient sous son charme, ouais. Elle a tout ce qu'il faut, une vraie déesse. Je suis un ouche de la tête, de vrais œufs d'eau. Je suis un beau gosse, c'est une bombasse. Elle donne la vie de la ken. Vrai go, couleur ébène. Comment faire pour la pêche, l'emmener au télo. Après, elle a sorti plusieurs projets. Notamment Espoir, qui lui a permis de collaborer avec Black et également de signer dans le label Black Star de Mad Gims. Et depuis sa signature, il ne fait qu'enchaîner succès et succès. De sorte grain en passant par. Jusqu'à Baoulé son superstar qui est mon morceau préféré. Parce qu'il fait la promotion du Baoulé à l'international. Et ça, ça a salué. Baoulé son superstar, c'est depuis 5 à sous. J'ai caché mon 5 à sous, ça vient de Pérou Mini. Dans la cloche, sous mes souhaits, quoi d'y faire. Et I am so pro, non, en bois ni l'eau. Baoulé son superstar. Yeah. Baoulé son superstar. Si tu n'es pas américain, faut être moins baoulé. Baoulé son superstar. Si tu n'es pas américain, faut être moins baoulé. Baoulé son superstar. Yeah, 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 yeah. Voilà l'équipe, nous sommes à la fin de la vidéo. Voilà, si vous avez aimé, abonnez-vous. Si vous n'avez pas aimé, abonnez-vous. En tout cas, abonnez-vous, mettez un pouce bleu et partagez au max. Permettez à tout le monde de découvrir cette vidéo, voilà, de visionner.